Dans les locaux d'Amel qui organise l'aide et le secours pour les victimes syriennes de la guerre. Le Sud-Liban de Khiyam est une ville frontalière qui a été complètement détruite. Il ne restait que 55 vieillards qui ne pouvaient pas se déplacer. On les a réunis dans un endroit et ils les ont tous massacrés. Amel, c'est une ONG, comme je l'ai dit, non confessionnelle. Pendant la guerre civile, qui a duré 16 ans, et l'occupation israélienne qui a duré 22 ans. Amel était, si ce n'était pas la plus grande, une des plus grandes ONG du Liban, avec 3 hôpitaux de campagne, 27 centres, 30 ambulances. On a fait évacuer sur des hôpitaux français, américains, hollandais, belges et koweïtiens 1200 blessés. On a monté 400 prothèses pour les handicapés avec le gouvernement hollandais. Maintenant, on a 24 centres, on a 6 cliniques mobiles. On a 2 unités mobiles éducatives et une unité de protection pour les enfants de rue. Et on a 800 personnes qui travaillent à plein temps à Amel. Son slogan principal, comment développer l'humanité de l'être humain sans tenir compte de son appartenance politique, religieuse ou géographique. Aucun de nous n'a choisi sa famille, sa nationalité, sa religion. Ce sont des choses qu'on a héritées. Ce que nous pouvons faire ensemble, c'est le vrai défi. Et dans ce contexte, Amel est devenu international, il y a dans beaucoup de pays, et on essaie dans ce village planétaire, citoyen international, comment vivre dans un monde plus juste et plus humain. Can you tell us what you think about the attitude of Trump towards the refugees? It's very clear for me that he wants to finish the refugee problem. Mm-hmm. So he began with another one. And he is pushing Abu Mazen to accept, to give the Israelis more than he gave. But Abu Mazen, he has nothing to give. He gave everything. Yeah. Well, what he has now? Nothing. Mm. Is he with Trump to kill innocent people, to make war? It's enough. Yeah. Enough is enough. Yani. And I don't think for him it's so easy that Palestinian refugees could that can forget. It's a long time, Palestinians. 72 years. I am a refugee since 72 years. You know, I am like all other Palestinians. We know that our homeland is occupied in a way because there was a cooperation between the British and the Russian, because the Russian, they pushed the Jews to come to Israel. The first prime minister, she was good, I mean, she's a Russian. Europe, France, Germany, all of them, they supported the establishment of Israel. And at the same time, they were not so active in forcing Israel, according to the United Nations resolution, that, you know, because Israel was established, as you know, by UN resolution, 1 in 3. And in that resolution, it was mentioned that the Palestinians, they have the right to return to their homeland and to receive their compensation. But nothing came. Since 72 years, we are waiting, and the UN. So your message is Palestine should be open for Muslims, Jewish, and Christians, yes, everyone. It should be open. It was before 1948 mm-hmm. like this. And this is what I am doing. Since 43 in our institution. No discrimination according to religion, no discrimination according to color, no discrimination according to nationality. All of us, we are human beings. We can work together for better future for those poor and needy people whom we are serving. By the way, some people of the Palestine Liberation Organization are Christians or even Jewish. Yes, of course, we have members in the parliament. Alan Levy, we have, because it does not exist in our minds mm-hmm. that
we are against Jews. Jews are our cousins, according to tradition. How I can be against them? And I laugh when they say about Semitism. So we are the same. You are the real Semitism. Yeah, why we should be against ourselves? We are crazy enough to fight against ourselves. And let those people who believe in peace, justice, freedom, to come and see the living condition of those poor Palestinians who are suffering since 1972 without rights. Our message is very clear. We want to live together. We want to live together according to a peaceful and democratic life. Citizens, equal rights, equal responsibility. Religion, let them aside. Because I know that Netanyahu is not with this, because he wants to be a Jewish state. When I say pro-Palestinian, which means for me, it's pro-justice, exactly. Pro-peace, pro-freedom, pro-independence. This is what I think. And this is why I always encourage my friends in Europe, anybody that says, go please, in Japan, ask them, please go and see. سناء شو عندك كل يوم؟ اليوم قاعدين عربي؟ عربي اليوم طلع على from the camp and Sarah. Most of them in the camp. And the surrounding not very much. إنه ساكنين بالمخيم الأغلبية. Yeah. سناء سوري عفوا بس إيش عندك أنت هلا؟ إحنا عندنا كلمة إيه؟ أي حرف؟ إحنا شو اسمه حرفنا اللي قاعدين عم ناخده هلا؟ سعر بنت الثالثة شعب بتقول زو صوت الطويل طيب بنت الثالثة شعب بتقول زي طيب خلوني أشوف مين عنده زا بهدول الكلمات بدي ارفعوا ايدكم مين عنده زا حلزون فيه زا مين اللي عنده زا؟ طلعوا كتير مظبوط زيتون برافو عليك زا في كبير اللي برافو لمحمد بشر واحد اثنين And now we have about 113 kids that we sponsor them and about 60 families, 26 families with me, other families with Ashwaq, and other we have 10, two families with the director of the center, the hardship cases families with the director. The buildings in the camp are not healthy for the people because they are connected to each other. UNRWA registration card, that means we must benefit from the services of UNRWA, like education, like health, like many, many subjects. And when Trump wants to cancel or to stop this help, that means they want to help to cancel the refugee problem. Et en fait, cette galerie permet à tous les personnes qui viennent dans le centre de
garder leurs enfants pendant qu'elles prennent des cours. Et ce dessin qui joue derrière moi a été fait par des personnes, des bénéficiaires du centre, qui ont décidé de redécorer un peu la salle. Qu'est-ce que vous espérez des peuples de France, de Belgique, pour la solidarité? هلا طبعا في دعم المادي كثير مهم احنا مثل ما بتعرف انه عدد اللاجئين السوريين عندنا بلبنان انا ما عم بحكي من ناحيه عنصريه ابدا بس في واقع الحقيقه لازم تنحكى مثل ما هي مع احترام في ناس سوريين معنا اهلا وسهلا فيهم نحن بنتمنى لهم يروحوا على بلدهم بس لانه بدي ترجع اليوم ما بيرجعوا تحكي بس فهي قالت L'important, c'est d'aider d'abord financièrement parce que le taux de réfugiés que nous avons reçus au Liban est très grand. Elle ne parle pas de façon raciste, mais elle parle en fonction de la réalité de la vie. Elle espère qu'ils pourront retourner dans un pays sain et sauf. Et elle espère aussi pour eux et pour les Libanais que cela se fasse dans de brefs délais parce que la situation est un peu dure aussi par rapport au peuple libanais. بعددنا نحن كلبناني ولبنان مساحته صغيره بالنسبه لغير دول ونحن الوضع الاقتصادي عندنا يعني على قدنا يعني نحن اذا مكفيين حالنا وفي مسائل ثانيه اجتماعيه نحن عم نضطر نتحملها يعني كمان المفروض غير دول كمان تتحمل معانا غير المسائل المادية صار عندنا ضغوطات اجتماعية عم بيأثروا على أزمة السكن هذا اللي بدي أقوله السكن عم بيصير في طلب عم بيزيد الطلب عم تزيد الأسعار هيدا عم ينعكس علينا نحن إذا بدنا نحكي من ناحية اقتصادية يعني Donc, ce qu'elle dit, c'est que en plus des problèmes au niveau financier, on a aussi des problèmes sociaux qui se posent et que le Liban n'est pas le seul à devoir supporter ces problèmes-là. Que finalement, plusieurs pays sont censés aider à faire face à cette situation. Et on pourrait prendre par exemple l'exemple de l'habitation parce que la demande est en train d'augmenter. La demande augmente, donc le prix aussi augmente avec, et donc cette situation-là se retourne en fait contre les Libanais. Elle est syrienne et elle dit que c'est très compliqué pour elle. C'est pas volontairement qu'ils ont décidé de quitter la Syrie, et que malgré toutes les aides et tout qui viennent au Liban, c'est compliqué. La vie est dure et assez dure pour elle, pour eux au Liban. Et donc, elle dit qu'elle a tout perdu en Syrie, que la maison, sa maison a été bombardée, que les biens. Dans quelle ville? Elle était à Daraa. Donc ils ont tout perdu à Daraa, leur maison, l'emploi, les magasins de ses parents et tout. Donc, elle avait un certain statut social et se retrouve réfugiée dans un autre pays. Elle espère vraiment pouvoir retourner dans son pays, mais la situation l'oblige en quelque sorte à rester là. Qu'est-ce qui empêche de retourner maintenant ? La situation actuelle n'est pas tellement sécure et en plus la situation financière ne leur permet pas d'aller reconstruire maintenant leur maison qui ont été toutes détruites. Donc elles attendent que ce soit fait.
pas avec les couches vulnérables, ce n'est pas une action humanitaire. Il n'y a pas de démocratie sans développement. Il faut manger après philosophie. Deuxième point, toute action humanitaire qui ne lutte pas contre le double standard, ce n'est pas une action humanitaire. Si quelqu'un est blessé à Londres, tous les médias en parlent. Chaque jour, des centaines qui meurent en Syrie, en Libye, en Irak, en Palestine et au Yémen, notre vie ne compte pas. Troisième point, toute action humanitaire qui ne lutte pas pour une répartition juste de richesse. Au Liban, 0,3. 8000 personnes possèdent la moitié du Liban et sur le plan universel, 20% possèdent 80% de richesse. Quatrième point, il faut lutter pour un état de justice sociale où le secteur public supervise le secteur privé qui cherche le profit et nos sociétés civiles. On doit construire un groupe de pression pour corriger les politiques existantes en faveur des couches vulnérables les plus démunies. Maintenant, les discours qui prévaut en Europe, et c'est honteux de voir cette position, c'est un discours populiste de xénophobie, d'islamophobie, de sécurité et d'identité. Le phénomène de solidarité, et ça j'ai pris ça de Dr Georges comme information, le phénomène de solidarité existait pendant la Première Guerre mondiale en France, on a reçu 1 million de réfugiés belges. Et en 1936, l'Espagne et la France ont reçu 1 demi-million. 5 millions d'Allemands ont quitté la Tchécoslovaquie et la Pologne vers l'Allemagne et 12 millions sont allés aux États-Unis. Malheureusement, le gouvernement européen n'applique pas la 4e convention de Genève, n'applique pas la convention européenne des droits de l'homme, l'article 2. Et maintenant, on travaille avec des avocats pour porter plainte contre le gouvernement qui refuse de recevoir les réfugiés. Il faut les recevoir et après, on voit après. Et ça fait 2 ans, l'Union européenne, après le sommet mondial humanitaire qui s'est tenu à Istanbul, où ils ont décidé de relocaliser 10% de ces réfugiés, ils discutent depuis 2 ans pour recevoir 200 000. L'Union européenne, c'est 5 millions, 500 millions. Oui. Alors, c'est en comparaison avec le Liban, c'est le Liban, malgré tous nos problèmes, on est fiers d'être Libanais, de voir cette solidarité et cette générosité, mais malheureusement, les slogans que je lance, il faut aider le Liban qui aide la Syrie. Vous payez de l'argent, non pas par solidarité, mais vous avez peur que ces réfugiés viennent chez vous. Restez là, au Liban, en Turquie, en Jordanie ou en Syrie, on vous donne de l'argent. S'ils donnent de l'argent, mais ne venez pas chez nous, mais on n'a pas aussi payé l'argent qu'il fallait payer. Et le laboratoire de la région, tous les problèmes, on parle ici. Alors, ce qui fait qu'il faudrait qu'on continue à travailler ensemble pour le bien des couches vulnérables, le plus démunis. Et c'est un long combat mais qu'il faut mener. Et nous, dans notre pays, le mouvement de changement pendant le dernier siècle, enfin, au moins les 50 dernières années, ont lancé des slogans, ils ont expliqué la situation, ils ont parlé des droits politiques. À mon avis, ce qu'il faut, c'est de parler des droits politiques et de la justice sociale. Il faut l'aider, le deux. Et ce qui fait qu'on a un slogan à Amé, le 3P, principe, position et pratique. Et comme disait Nelson Mandela, si on a une vision et on peut transformer cette vision en une action, on peut changer le monde. Merci pour votre action et votre message. Thank you.